DNLC, dis-nous les choses pour la Black Out Radio. Nous sommes à l'événement Golden Block avec les frères Doucouré. Comment allez-vous? On va bien et vous? Ça va tranquille. Ça va. Ça va très bien. Très belle bien. Journée. Très belle journée. Ouais. Depuis le temps, je voulais vous attraper vous deux là. C'est ça? Donc attends. On va aller très vite. Donc il y en a un là, monsieur Ladji, champion du monde 110 mètres haies et relais, 4 fois 100 mètres en 2005 avec Elinski, champion d'Europe du 60 mètres haies en salle 2005 et 2009. Tu as pris ta retraite dernièrement à un événement. Même, t'as fait une vidéo même qui nous a touché même. Ah. Moi, j'ai eu des larmes, mon frère. Non, faut pas dire ça. Après, c'est vrai que ça a été un luxe de pouvoir sortir comme ça. Mais c'est parce que aussi les gens m'ont dit qu'il fallait que je le fasse et ça a marqué l'athlète en France. Mm-hmm. Un sport que je connaissais pas, un sport qui n'était pas destiné à un enfant comme moi. Et puis j'ai pratiqué cette discipline et j'ai un peu tout fracassé. Donc c'est pour ça que ça a marqué les gens. Mais c'est symbolique que tu viennes, que vous veniez aujourd'hui à Grigny là, parce qu'il y a une partie de Viry qui est dans Grigny. C'est vrai. C'est pour ça en fait. Dire. Et quelque part, t'es pas un des ambassadeurs de Grigny, de Viry, au vu de ce qui s'est passé récemment. On va dire du plateau. Mmh. Ouais, voilà, du plateau. Après, tout simplement, moi, c'est parce qu'il y a eu deux faits. C'est pendant juste après la victoire en 2005, on m'avait dit alors comment ça se fait qu'un mec comme toi, il fait de l'athlétisme. J'aurais dit moi là-bas, je voulais faire du foot. Et les éducateurs m'ont amené à l'athlétisme. Mais vous savez, dans les quartiers, il y a plein de Ladji Doucouré. Il y en a plein des Usain Bolt, de tout ce que vous voulez. J'étais pas le plus rapide. Il y en a plein. Faut que vous alliez les chercher. J'ai juste dit ça. Donc depuis le temps, ça fait 11-12 ans que c'est passé. Il n'y en a pas encore un qui est sorti. Donc nous, on essaie de proposer cette activité pour essayer d'en sortir un, mais d'en titiller un pour qu'ils disent « Ah ouais, c'est pas mal ». Il y a aussi cette voie-là. Tu es un enfant d'ici. Parce que dans une interview précédente, tu disais que tu allais au terrain rouge là-bas. Oui. Tu courais, tu prenais le DM, tu vois, tout ça là. Ouais, c'est tout ça. Je connais tout le secteur. Méridien, le gymnase, le solstice, le radar, le marché là-bas, la balance... On connaît tout. Après, j'ai pas logé ici, mais je connais tout. Il y a la famille ici, donc c'est comme si j'étais de là. Mais après, je revendique pas style je viens de là, parce que non, j'ai pas cette légitimité de dire ça. Mais je connais. Je passe en voiture, j'ai pas besoin de Waze quoi. Moi, j'ai dit t'as la légitimité, tu viens de là. Moi, je te le dis. Habitant de Grigny, tu es là, tu es ici. Mais en parlant de famille, tu vois, il y a Lunatic à une époque où j'avais une chanson qui s'appelle Homme de l'ombre. C'était pour un mec. Un mec que moi j'appelle médicament, parce qu'à un moment donné, ça s'est dit. Cassé dans les coins sombres. Monsieur Bolo, comment vas-tu? Oui, ça va très bien. Tranquille. Avec plaisir de sortir avec le frérot. Mais on se connaît trop bien même. Mais trop même. Parce que toi là, mais que fais-tu? Je sais que t'as une espèce de structure où tu fais du management, après à côté tu fais plein d'autres choses. Dis-nous un peu là. Non, en fait, j'ai une structure qui est subdivisé en trois départements, management sportif, événementiel sportif et tout ce qui est coaching et préparation physique, notamment de sportifs de haut niveau ou d'acteurs. Voilà. Comme j'ai dit, t'es un homme de l'ombre parce que jadis, je regardais ma télé, je vois le champion du monde de triple saut, tu sais, qui a battu le record, tout ça, monsieur Teddy Tamgo, c'est ça? Oui. Moi, non, il donne la parole à ses managers. Je vois Boro. J'étais choqué, frère. Je fais, mais frère. Mais comment c'est, il est partout comme ça, là? Carrément, t'es passé de Batman à Tony Stark, à Iron Man, c'est ça? Carrément. C'est comment? Tu manages toujours? Il parle de moi, l'homme de l'ombre. Nous, à 15, 16 ans, à l'époque d'Arsenic, hein? Ouais, Bouba, le sang de fin, le sang de fin. Studio à Jean Mermoz, on l'a vu, hein. Moi, j'étais plus petit, hein. J'étais plus petit, je n'avais pas droit à la parole, mais je l'ai vu, hein. Il posait déjà. Sidney Bechet, Jean Mermoz là-bas, hein. Vous sortez les dossiers cachés. Non. Donc, on a essayé de prendre son chemin. Voilà, dans les débuts des années 90, vraiment. Arsenic, c'est 2000 même. C'est ça, 99-2000, ouais. Ouais. Il a ramené Arsenic à Grigny. Comment on fait? Non, jamais j'oublie. À chaque fois que je le vois, je dis, il a ramené Arsenic. C'est pas Arsenic là aujourd'hui. Grand respect à eux. Toi. Franchement, jusqu'à présent, Lino, il kick de ouf. Ah, toi. Il kick Lino. Mais quand ils étaient au top, là, ils baillent de tchou. Mmh. Ils a ramené ici, Joe. Comment t'as fait en fait? Ah, Joe, tu connais, on a lutté. Comme on lutte aujourd'hui. Il y avait Génération avec Bob.
On faisait des clins d'œil aussi. Nous, on était derrière on, avec nos cassettes, on enregistrait. Et on était avec Mamad. Ouais, Mamad a Tchessaï, on s'en souvient. Là, on cache les blazes. Hein. Ouais. Aïe. Donc voilà, c'est un plaisir de, d'être au bout du micro avec un exemple. Toi. Et de, non, c'est toi l'exemple en fait. C'est pas nous en fait. Nous, on l'a suivi, on a essayé d'améliorer. Toi. Avant, nous, on n'avait pas Instagram. Maintenant, les petits nous, ils nous montrent. Mm-hmm. C'est la même chose. Lui, il a montré, on a suivi et ainsi de suite. Et on fait des relais et c'est comme ça. Mais c'est ça. Voilà, je vais terminer une dernière question. Je parle de Grigny, mais Grigny et Viry en vérité. C'est comme si c'était des comment dire, des Zincou. Parce que Grigny et Viry, comme j'ai dit, il y a une partie de Viry dans Grigny. Ouais. Donc moi, j'ai une requête pour les maires des villes là. Il faut jumeler Viry et Grigny en vérité. Ouais. Parce qu'il y a des habitants qui s'entendent. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas normal que tu te retrouves sur une partie du quartier. Après, il y a le quartier de Radar là-bas, c'est Fleury là-bas, ok. Mmh. Mais c'est la même chose sur la grande bande. Après, t'as un. Tu peux pas te retrouver avec un bâtiment, son adresse c'est Viry et l'autre, le hall à côté c'est Grigny. À un moment les mecs, il y a un mur qui les sépare et comment on fait? Tu peux pas avoir un mec qui est du Grand Paris maintenant et l'autre est sud, et ils ont pas les mêmes avantages alors qu'ils crèchent plus ou moins dans le même endroit. Après je trouve ça un peu bête, le lac ils le partagent à deux en plus. Mmh. Tu vois, il y a la pente, ils le partagent presque à deux et je trouve que c'est dommage que les choses se fassent pas ensemble. Après nous on est là pour faire les choses aussi. Mais il faut que ça vienne d'aussi d'en haut. Parce qu'on sait que Grigny voilà, a une très mauvaise réputation, tu vois, malheureusement. Et quelque part, ce que vous faites, vous êtes comme des ambassadeurs et ça fait de l'ombre à tout ce tapage médiatique qu'il y a autour de Grigny. Quelque part. Surtout au vu de ce qui s'est passé récemment avec c'est la police. Nanani, nanana. Après, ça se passe dans plein de banlieues en France. Mmh. Nous, on leur a dit, venez passer la journée ici. Vous êtes sûr, c'est une zone de non-droit, je sais pas quoi. Je dis à un moment, vous, les médias, arrêtez de... Venez tout simplement. Il y a des choses... Qui sont là, il y a des faits, il y a des choses que vous ne voyez pas. Venez aujourd'hui, vous allez voir qu'avec ce genre d'outils, il y a plein de choses bien. Après voilà, s'il y a des choses qui sont négatives, il faut aussi se demander pourquoi elles sont là aussi. C'est pas bien de taper. Mais derrière, il faut regarder pourquoi on tape, pourquoi vous tapez. Essayez de savoir pourquoi ils font ça. Après, je fais pas de politique, mais à un moment, tu es obligé de rentrer dedans. C'est de la politique ce que nous faisons. Enfin, ce que tu fais en tout cas, c'est de la politique. À partir du moment où on fait des actions, c'est de la politique. Je sais que l'un de tes futurs, c'est que tu vas être consultant à SFR. Ouais. Bientôt là. Cette reconversion là, c'est comment? Je pense que ça va plutôt bien se passer. Après moi, l'athlée, j'ai appris à le connaître. Ça fait plus de 20 ans que je le fais. J'ai fait toutes les disciplines. Toutes les disciplines. Je pense que j'ai peut-être une petite légitimité à parler des disciplines. Ça ne veut pas dire que je vais être un bon consultant, mais. Je sais que je connais ce que je vais savoir ce que je dis et puis voilà, c'est une nouvelle aventure. Et j'ai lu récemment dans une interview comme quoi vous voulez faire de l'Essonne un laboratoire pour l'athlétisme et voir pour d'autres choses encore. Oui, de l'Essonne, notamment de Grigny en fait, mm-hmm. Parce qu'à Grigny il y a un gros potentiel et il s'avère, je crois, c'est à l'ordre de 13% de licenciés dans les clubs de tous sports confondus. Donc de redynamiser, d'apporter un nouveau souffle avec l'expérience et un certain savoir-faire qu'on a pu apprendre et le partager. Comme ça on puisse trouver un autre levier ou un autre moyen d'insérer certains jeunes ou trouver d'autres vocations. Pas forcément dans le sport en lui-même, dans la pratique, mais aussi autour des métiers du sport qui existent aussi. Tout ce que fait Boro, voilà. En gros, on aimerait bien ouvrir une académie avec voilà, une fondation et tout ce qui peut aller autour, animer tout ce qui est... Voilà, on sait que le sport, c'est un très bon outil de divertissement, de diversité. L'insertion sociale par le sport, c'est quelque chose de super. On le voit tous. Et nous, on a envie d'utiliser ce truc-là. Le laboratoire, c'est... On espère ouvrir une académie, faire du soutien scolaire, utiliser toutes les associations qui sont là pour aller dans ce sens-là et sortir les gamins. Que derrière, ils se disent, voilà, lui, il devient un sportif, lui, il devient un journaliste sportif, lui devient un agent, lui devient un manager, que tous les métiers autour du sport soient utilisés et on commence, c'est pas quand mais j'espère bientôt comme on dit Inch'Allah et que derrière on ouvre d'autres portes, qu'on reste pas que sur le sport et le rap. C'est bien, il faut qu'on pousse encore ces portes là, mais si on peut ouvrir d'autres portes en apportant des ces solutions là, voilà, on fait cette activité là. Derrière, on va leur proposer plein de choses. Voilà, journaliste sportif, il est là. Et derrière la caméra, on ne le voit pas, mais c'est là.
Monsieur Kong. Voilà, mm-hmm. Monsieur Kong, il est là. Chinois, japonais. Voilà. En tout cas, j'ai été content de faire cette interview avec vous. Parce que depuis le temps, il fallait faire l'interview des frères Doucouré. On est là. Depuis le temps. Il y a Black Vesty qui est derrière là, mais il aurait même pu venir depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi il est pas venu même. Il est là. C'est ça. Te voir derrière l'écran. C'est quoi ça? Montre ta tête. Viens nous faire un signe. Il a pas fait les contours. Il lui montre les contours. Viens nous saluer là, viens nous saluer ici. Viens nous saluer ici. Ah, il veut pas. Homme de l'ombre. En tout cas, merci à vous les frères. Ouais, merci pour voilà, vous étiez là pour Golden Block. D'accord. À Grigny. Et c'est honor. Merci à vous. Merci à vous et à bientôt. En espérant être là toutes les années. Et longue vie à vous.